chose. Dans le monde entier, c'est pareil. Toutes ces villes comme ça développées, puis financièrement, ça fonctionne. On a vu là, les quartiers, tout ça, ils sont partout. Ils sont partout. Les banques, c'est eux. L'immobilier, c'est eux. Hein? Le textile, c'est eux. Ils sont partout. Hein? Les médias, c'est eux. Ça roule en BM, en Mercedes, la chaîne en or, comme ça, sur la poitrine. Ils sont partout, les catholiques. Partout. Et leurs églises, il y en a partout. Ils ont plus d'églises que de pratiquants. Puis nous rabâchent les oreilles avec leur génocide. Leur génocide par les Romains dans leurs arènes. J'irai pas jusqu'à dire que les lions n'ont jamais existé. Hein. Je vais pas me dieudéniser. Hein. Mais enfin, pour les preuves, il n'y a pas des masses de documents, hein. Pas de films, pas de photos. Quand on n'est pas doué pour le domptage, on fait autre chose. Je sais pas, moi, charpentier. Ils sont très forts, les catholiques, en religion. Hein. Et il faut dire qu'ils sont bien représentés. Là, Benoît, là, hein, leur nouveau directeur commercial, bien. Bien, les fringues. Il est décomplexé, ce gars-là. Hein. Il parle comme il veut, il s'habille comme il veut, les fringues voyantes et tout. Formidable, hein, décomplexé, hein. Ah, il les a tous balayés, là, les Benoît XV, les Benoît XIV, les Benoît... On n'en a jamais entendu parler, hein. Ah, j'adore, moi, ce gars-là. C'est fou, moi. Et je rêve d'aller voir Benoît, moi. Je rêve d'aller voir le pape, quand même. Et pourquoi j'aurais pas le droit d'aller voir le pape? Parce que je suis juif. Bah, c'était bien un ex-nazi, lui. Ah oui, hein. Et quand tu commences ta vie... Dans les jeunesses hitlériennes à crier à Hitler, après, si tu veux ta place au paradis, il faut faire pape un minimum. Hein. Et encore, c'est pas gagné. Commencer sa vie dans les jeunesses hitlériennes pour finir dans les vieillesses catholiques. Ah, les catholiques, vous pensez que les comiques vous avez oublié comme ça, hein. C'est plus drôle avec les noirs et les arabes, hein, quand même. Hein. Ah, et puis Jésus, eh, bonne idée, hein, mascotte ludique, déclinable en produits dérivés. Hein. Bien, le fils de Gepetto. J'ai le droit, j'ai le droit. Non, ça c'est le principe de l'humour. Hein. Ah oui, non, il était juif, je suis juif, un juif peut vanner un autre juif. Hein. Et il faut voir ce que ça donne, hein. Fils de père célibataire. Hein. Tu t'imagines l'éducation, hein. Tu te retrouves avec un grand dadé en slip toute la journée, à se balader, à faire chier les commerçants dans les rues de Bethléem. C'est la règle, je peux, hein. Un juif peut vanner un autre juif, c'est comme ça, Jamel, il peut vanner les autres arabes. Dieu donné, ben, les juifs aussi... Du boss qui peut vanner les mecs qui mettent de l'auto-bronzant.